Le trésor public a 50 ans depuis hier, 1er octobre 2015, au moment où nous émettons, se déroule la cérémonie d'inauguration du bâtiment de la perception de Nzengayong, une cérémonie présidée par le ministre du Budget Christian Magnania. Hier déjà se tient la réunion des chefs de comptables publics, notamment les responsables provinciaux et ceux des ambassades gabonaises à l'étranger. Aimé Manix Mondjo, Michel John Boudéan. Cela fait 50 ans que le trésor public existe, un demi-siècle que les autorités de gestion des finances du pays veulent marquer par une série d'activités mémorables. Nous sommes ici à la perception de Nzengayong. Son inauguration fait partie du programme de cet anniversaire. À côté, cette tente qui abrite les comptables publics pour discuter de plusieurs problématiques liées au métier, mais pas seulement. Cet après-midi se tient le CODIR, entendu comité de direction, qui a pour objet de faire le point sur l'exécution du budget à mi-parcours de l'exercice, d'une part, et préparer les assises de demain, vendredi d'octobre, lesquelles assises vont permettre d'échanger autour de différentes thématiques en rapport bien entendu avec notre métier de comptable public, et ceci dans le cadre de ce que nous avons appelé la conférence des chefs de poste comptables. Et la réunion de cet après-midi va donner lieu à une cérémonie de restitution. Le CODIR a pu réunir les responsables des trésoreries provinciales et ceux de l'étranger, communément appelés payeurs.